Savez-vous ce qu'est la psychomotricité? Partiellement. Alors oui, je connais ce que tu veux dire. Non. Je sais pas. Téléphone. Oui. À ton avis, qu'est-ce que la psychomotricité? L'assemblage du corps et de l'esprit. Un accompagnement sur le corps avec des jeux dans l'espace. Et en même temps, ça doit avoir une répercussion ou aussi des activités sur le moral et plus psychologique. Aucune idée. Psychomoteur, donc ce qui est lié entre la motricité de quelqu'un et sa pensée. Qui vont avoir un rôle dans la rééducation de patients. Je pense qu'il prend les gens en charge, les aide à aller mieux en leur faisant faire des activités, il me semble. C'est des personnes qui vont venir en aide à des personnes qui ont des problèmes de motricité, de coordination. On intervient auprès de qui? Du libéral. Les personnes qui ont besoin de rééducation suite à une blessure. Un EHPAD. Pour des enfants handicapés. Leurs collègues. Toutes les structures de soins. Des personnes âgées. Des polyhandicapés. Bah non, j'en ai strictement aucune idée. Je pense que finalement ça peut être tout le monde. Tout le monde. Vous pensez qu'il faut combien d'années d'études pour faire ce métier? 3 ans. Je dirais 2 ans. 3 ans. Bah plus 4, 5. Seulement psychomotricien, je crois que c'est 3 ans. 4 ou 5, 3 ans. Il faut 3 ou 4 ans. Pour certains, il faut plus souvent une année ou deux de prépa. Donc ça fait déjà des années qui comptent, mine de rien. Et après, d'après moi, l'école, c'est 3 ans. Il me semble que ça dure 3 ans. 3 ans. 3 ans ? 5 ans. Quel salaire touche un psychomotricien ? 1 000 000. Je dirais 1 400, 1 500, 1 800, 2 000. Le SMIC, il prend le plus de SMIC. Le SMIC. Absolument aucune idée. Je dirais le SMIC. 1 800. Non, j'en ai aucune idée. 2 000 € en moyenne, peut-être. 60 000. Par an. 1 800. Un peu plus que le SMIC, on va dire 1 500. Et enfin, est-ce que vous jugez que c'est un domaine du paramédical qui est nécessaire ou que c'est plus du confort? Du coup, je sais pas du tout. Ça dépend des cas. C'est un bon moyen de soigner les gens, je pense. De nos jours, indispensable. Je pense que ça peut être indispensable pour certains patients. Ah, je pense que c'est tout à fait un métier indispensable. Vous avez tout à fait votre place dans le corps médical et paramédical. Et qu'on ne remplacera pas. Je pense qu'il y a des personnes qui en ont besoin. C'est un métier de nécessité. Maintenant, c'est pas assez connu. Parce que ça peut être une aide pour les parents comme pour les enfants, pour les aider à se gérer eux-mêmes. On devrait mettre plus en avant.